Bonsoir. Merci d'être là. Je vais peut-être vous dire quelques mots avant qu'on démarre sur ce qu'on va vous présenter. Du coup, c'est un projet qu'on a intitulé Point de bascule. C'est une tentative de traverser d'une époque qui part des années 70 jusqu'à aujourd'hui et même demain. Voilà, vous allez voir, on essaye de raconter ce temps-là qui bouge avec tous ces points de bascule qui ont été des changements de société qui ne sont pas finis d'ailleurs, il y en a encore plein aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment à l'instant T même. Voilà, donc c'est un projet qui est tout nouveau, on n'a jamais joué, on a travaillé toute la semaine ici, et on vous le présente ce soir pour la première fois. Vous allez voir, on a utilisé parfois des archives, vous allez entendre des archives qu'on a récupérées de Michel Chevalet. Alors certains s'en souviennent peut-être, les plus jeunes certainement pas. Michel Chevalet faisait de la vulgarisation scientifique au journal télévisé dans les années 70 et même 80. On a utilisé aussi des archives de Greta Thunberg, que, bon, ça je crois qu'il n'y a pas besoin de la présenter, à part peut-être pour mon fils, Greta Thunberg, mon fils qui est encore petit là, c'est une activiste, une jeune activiste qui avait exactement ton âge quand elle a commencé à s'engager dans la lutte contre le changement climatique et la pollution. Voilà, on a utilisé comme ça, parfois il y a des sons, vous allez voir, il y a des petits sons de type industriel, il y a des choses pour essayer d'avoir quelque chose, d'une forme de narration, dans cette création musicale. Vous allez voir, somme toute assez particulière, qui dure une heure environ, et dans laquelle on va essayer de dérouler jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon voyage, une bonne écoute, à tout à l'heure. Années 1970. Je suis né sans consentement. La bombe nucléaire avait déjà explosé 3 fois. Ma mère était sans emploi, mon père était smicard. Il y avait encore des ouvriers dans les usines. On allait boire le café le dimanche matin, mon père faisait le tiercé. C'était pas vraiment les années psychédéliques qui nous ont vendues. Le dimanche, on était en famille. On mangeait chez ma grand-mère des spaghettis avec des boulettes de viande.
1970. À 13h, on regardait Starsky et Hutch, et puis il y avait... Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié son nom. Jacques Martin. Incroyable, mais vrai. C'était les années 70. On avait des chemises à fleurs et des soupules à col roulé. Des pantalons pas de def. Pas vraiment psyché, mais c'était comme ça, dans un appartement de 60 mètres carrés. On était 10 à table. On riait, on parlait fort. Il y avait Yves Mourouzi à la télé. Michel Chevalet nous expliquait les orages, les moteurs à hydrogène, l'arrivée de la caméra électronique. Les enfants criaient, les vieux râlaient. Le lundi, on repartait travailler. Grandissaient dans des établissements privés, sous contrôle. C'est là que se préparait aujourd'hui. J'ai grandi dans les années 80. La bombe nucléaire avait déjà explosé plusieurs fois. Les peuples indigènes d'Amérique du Sud et d'ailleurs ont été exterminés, terminés. Everything is under control. Dans les cités, les jeunes enfants d'immigrés meurent à l'appel. Overdose, sida, meurtre. Les mères pleurent, les pères travaillent. Le peuple consomme. Vite. Vite. Et qu'ils ont leurs dents. Le lundi, la famille allait remplir son caddie dans les nouveaux hypermarchés. Les ouvriers aussi ont été exterminés. J'avais 12 ans. Je militais à SOS Racisme. Je rêvais à gauche. J'y croyais. Je croyais. Starsky Hutch était toujours là. Comment il s'appelait? Jacques Martin aussi. Les élites haineuses de demain sont formées dans des établissements privés, sous contrôle. Pôle emploi a succédé à la NPE. Les ouvriers ne rentrent plus dans leur bleu de travail. Le dimanche, on est trois à table. Demain, demain.
Alors, lorsque l'on parle d'éclairs, eh bien, on vous donne toujours énormément de conseils. Rares sont les bons conseils. Le premier point, eh bien, c'est que finalement, où vous êtes le plus en sécurité, c'est dans votre maison et dans votre voiture. Ensuite, on vous dit, eh bien, ne vous approchez pas des objets pointus. Voilà l'explication. Les charges électriques ont la propriété de s'accumuler sur les pointes, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des charges électriques extrêmement denses, extrêmement importantes. Et de fait, c'est ici que l'éclair a le plus de chances de monter vers le nuage. Reste le cas de l'arbre. Alors là, vous allez voir, c'est très particulier. Donc, premier point, un arbre, un objet pointu, ici, beaucoup de charges électriques. L'éclair va donc partir de la base de l'arbre, c'est certain. Mais deuxièmement, si vous êtes sous l'arbre, vous risquez donc de recevoir une branche sur la tête. Mais ensuite, et c'est là, c'est beaucoup plus subtil, si vous êtes ici, c'est-à-dire à la base de l'arbre, mettons à une dizaine de mètres, eh bien, vous allez risquer d'être foudroyé. Pourquoi ? Parce que les charges électriques qui sont dans le sol vont être aspirées, pompées au moment de la foudre en direction du nuage. Et de fait, brutalement, le corps humain, qui était porté à 1 million de volts, va passer d'un million de volts à 0 volts. Et là, vous serez foudroyé. Enfin, dernier point, il y a ce qu'on appelle la tension de pas. Au voisinage d'un objet élevé, au moment de l'éclair, il y a 1 million de volts dans le sol. Mais tous les mètres dans le sol, le potentiel diminue de 1000 volts. Autrement dit, entre les pattes avant et les pattes arrière d'une vache, il y a 1500 volts. Et la vache sera électrocutée simplement par la différence de potentiel entre ses deux pieds. Voilà, Jean-Claude Bourret, quelques aspects pour le moins... Thank you.
We'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money, and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? And come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. How dare you continue to look away? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe. How dare you continue to look away? I do not. How dare you continue to look away? How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Change, coming.
Thank you.
Dernière fois que tu as souri à quelqu'un. C'est quand la dernière fois que tu m'as embrassé. C'est quand la dernière fois que tu as dit bonjour. Quand que tu as offert un dernier bouquet de fleurs? C'est quand que tu m'as regardé dans les yeux? Tu te souviens le jour où j'ai découvert ta bouche, ton sourire? Le jour où tu m'as dit bonjour. Le jour où on s'est offert un café dans un troquet sur la place du village. C'est quand? C'est quand? C'est demain? Aujourd'hui? Hier peut-être? C'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé? Qu'on s'est regardé? Qu'on est parti travailler ensemble? Qu'on s'est raconté nos vacances? C'est quand? C'est quand et qui la dernière fois que tu as croisé quelqu'un dans la rue?
C'est quand que tu t'es assis 5 minutes au bar avec moi, avec toi, avec ton voisin. C'est quand que tu as dit merci au serveur pour la première fois. C'est quand que tu le reverras. C'est quand, hein, dis-moi. C'est quand. C'est quand tout ça? C'est quand? Même quand je sais plus quoi dire, j'ai toujours quelque chose à dire à quelqu'un, à toi, à moi. Te regarder dans les yeux, dire quelque chose. Toujours quelque chose. Quand? Comment? Pourquoi? Dans la rue, le couloir, le parking, qu'importe. Qu'importe l'heure et le moment, qu'importe. Regardons-nous. Regarde-moi, regarde-toi. C'est quand? C'est quand que tu as croisé un inconnu dans la rue, avec un cadeau dans les mains. C'est quand que tu as offert quelque chose à quelqu'un pour la dernière fois. C'est quand que tu t'es allongé sous un arbre, que tu as regardé ses branches te sourire. C'est quand tout ça? C'est pour bientôt? C'est quand? C'est pour demain, peut-être aujourd'hui, c'est quand? C'est quand? C'est quand qu'on se voit? C'est quand qu'on se parle? C'est quand? C'est quand? C'est quand, dis-moi? C'est quand qu'on se croise? C'est quand qu'on s'appelle? C'est quand qu'on se boit un coup ensemble? C'est quand? C'est quand? Allez, dis-moi! C'est quand? Demain? Après-demain? On prend son téléphone, on se regarde, on s'appelle, on s'écrit, on colle un timbre, on le lèche, on le poste. C'est quand? C'est quand? C'est quand qu'on dit bonjour au facteur? C'est à quelle heure qu'il passe? Quand la dernière fois que tu l'as vu, que tu lui as dit merci, bonjour, vous voulez prendre un café? C'est quand? C'est quand que le bruit des cailloux s'est arrêté de battre dans ton cœur? C'est quand que tu as fermé les yeux, que tu es arrivé à quelque chose? Quelque chose qui sourit à quelqu'un? C'est quand, dis-moi? C'est quand? Thank you.
23. Tu as grandi demain. Commencez depuis là-bas. Dis-nous. L'autre jour, un chien m'a souri et la pluie m'a lavé les yeux. As-tu grimpé le long du vent? L'as-tu entendu rêver? As-tu caressé ses ailes pour trouver son sourire? As-tu enfin atteint le sommet des coquelicots? As-tu entendu le silence qui a vu? Est-ce que les cris demeurent? Est-ce que les rires? Est-ce que le temps s'écoule? Est-ce que les gouttes remontent? Est-ce que les pissenlits s'envolent? Est-ce que l'eau? Commencez depuis là-bas. Dis-nous. J'ai vu tes mains qui écoutaient le soleil. J'ai entendu siffler les nuages. J'ai offert quelques verres à mon voisin. J'ai souri à la boulangère, embrassé le tapissier. J'ai croisé un chat qui riait. Est-ce que l'automne? Est-ce que les vagues? Est-ce que vous êtes arrivé à bout de ceux qui empêchent? Est-ce que vous les avez terrassés? Ceux qui économisent, monétisent, marchandisent, expertisent, capitalisent, optimisent, technicisent, remisent à demain, à plus tard, à après, à jamais. Est-ce que vous les avez empalés, mis à sécher au soleil? Commencez depuis là-bas, dis-nous. Je me souviens de demain, la chaleur de tes mains, la caresse de tes yeux, la girafe à la fenêtre, Mickey à Pôle emploi, la reine des neiges dans un hôtel sordide qui baise avec les sept nains, le portrait de Macron au fond des pissotières, le hurlement des médias, l'iPhone XXL dans le cul de Poutine, le parvis de la défense enseveli sous la merde. Son sourire. Ton sourire, nos sourires, les vôtres aussi. L'araignée m'a offert des fleurs. Le soleil m'a dit qu'il était fatigué. Un phoque m'a parlé de mon grand-père. J'ai fait un clin d'œil aux zèbres qui habitaient la porte d'à côté. Puis j'ai chanté. Commencez depuis là-bas. Dis-nous. Thank you.
verras la Voie lactée. Est-ce que tu entends son cœur? Est-ce que ton sourire illumine les nuages et fait chanter les forêts? Est-ce que regarder s'entend? Est-ce que moi je a disparu? Est-ce que moi nous? Est-ce que je est un nous? Est-ce que nous demain? Est-ce que nous? Stéphane Coutable. Éric Chaland. Christophe Modica. Pascal au son et Julien en lumière.